Nous jeudi à mardi 16 octobre 2018. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal Mi-temps Journée. Tout de suite, information en détail. La police nationale a garanti sécurité vie à bien tout le monde sans passe pour qui. Directeur général PNH, Michel-Ange Déon, précisé, agent PNH mobilisé dans quatre missions qui s'est protégé et servi. Précision, directeur général PNH, Michel-Ange Déon, dans micro TNH. Nous tendons pile causer qu'à parler. Sous tous les réseaux sociaux, il y a des menaces de toutes sortes qu'a fait. Et la police, selon la loi PIA, dans l'article 269-1, responsabilité, c'est servir à protéger vie à bien. Et là, nous prenons le temps pour nous rappeler tout le monde que les palais de vie, c'est toute vie. Les palais de bien, c'est tout bien. Qui tout gagne comme, qui tout pas gagne comme. Qui tout à droite, qui tout à gauche. Donc, police là, les papes jamais camper en face personne. Parce que tout le monde, quel que soit côté au campé, ou gagne besoin de police là. Même maman loi pays en bon droit, que vous êtes capable de manifester, ou capable de parler, sans pas déranger personne. Mais vous êtes d'accord avec nous. De pour rentrer dans des blousailles, la police pas qu'à croiser bras. Jodi an, ou kap gen problème avec nous. Si nous prenons disposition contre ou même qui rentre dans faire violence. Mais demain, c'est même police ça ou pral mandé pour le camp en face tout le monde qui campe sous faire violence. Nous voulons profiter de moment ça pour nous rappeler, pour nous garantir. Tout opérateur touristique, hôtel, restaurant, entreprise privée, maison de commerce, bâtiment l'État, tout citoyen indistinctement, que la police nationale d'Haïti prend toute disposition pour capable garantir la paix, la sécurité, la stabilité en d'un pays. Je dis, journée 17 là et tout l'autre jour qui a venu. Et n'a pas rappelé encore, devant violence, la police pas prêté bras croisés. Merci. L'autre dossier, dans l'occasion 59e conférence, lundi la presse, lundi 15 octobre, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis annonce diverses activités qu'a réalisé plusieurs communes dans le pays, dans le marchand de Saline, dans l'occasion des 112e anniversaire de mort Jean-Jacques Dessalines, demain 17 octobre. Secrétaire d'État communication a été profité par les sous trois grands projets infrastructures qu'a fait dans le marchand de Saline, tant que travail, construction yon centrale électrique hybride, réalisation PAC Saint-Clair à construction route impériale. Yon extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Moïse Ulbridge. 17 octobre, Cap Vini là, pays a préparé pour commémorer 212e anniversaire assassinat Papa Nation, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Dans l'occasion, il y a un pile d'activité qui prévoit divers côtés, mais surtout dans la commune Marchand, commune Marchand Dessalines qui sait. Premier capital État-nation. Activité auto a organisé dans la capitale là sous l'obédience ministère jeunesse et sport. 212e anniversaire ça, c'est moment pour nous réfléchir, poser problème à travers gros symbolisme qui gagne dans la commémoration. Le marchand de Saline, il y a plusieurs projets qui a fait actuellement. Donc c'est en commune nous d'accord dit qui est en chantier. Parmi les projets, il y a une centrale électrique hybride qui fonctionne avec énergie solaire et diesel qui actuellement travaille très avancé dans la construction de la centrale électrique. Il y a des tests qui sont faits pour nous hier, dans la délégation qui est allée dans la commune. Et dans le jour 17 octobre, le marchand de Saline a éclairé. La capacité de la centrale électrique là, c'est 3,6 kW. La capable de couvrir toute section communale qui est dans la commune marchande de Saline.
président de la République, j'aime 5 dinois, tu es dans une délégation, côté même des représentants du gouvernement, tu as visité l'état d'avancement de travail. Il y a tout réhabilitation, Parc Saint-Clair, qui c'est terrain football, dans la marchande de Saline, je mettais pelouse artificielle sous lit, et il y a un gradin qui construit tout, tribune qui construit tout, dans souterrain ça, dans la marchande de Saline. Je n'ai pas oublié qu'il y a une route qui c'est la route impériale qui menait à la source impériale qui a construit tout. Donc, il y a au moins 3 grands projets d'infrastructure qui a fait actuellement dans la marchande de Saline. Après, le président a fait visiter le projet, il a gagné une rencontre avec le monde dans la société civile marchand. Il y a un monde qui exprimait en pile satisfaction parce que il a estimé le président était à l'écoute de revendications que il a exprimé eux-mêmes il y a l'année avant. Côté on te dit le 17 octobre 2017 commune a besoin d'électricité et plus de leur travail infrastructure qui a besoin fait dans commune là. Donc chef l'état était à l'écoute de yo ça qu'a fait dans machin actuellement là, c'est en réponse à revendication population dans commune marché de Saline t'ai exprimé. Je dis à nos responsabilité pour nous faire un local de complot. Il y a un complot qui a chita sous bataille nous demeurer contre division, contre instabilité. Il y a un complot contre blackout, il y a un complot contre sous-développement, il y a un complot contre pauvreté, il y a un complot contre misère, il y a un complot contre corruption, il y a un complot en faveur bon genre l'éducation pour tout le monde dans le pays. Ça, c'est le vrai problème Haïti gagné actuellement. C'est pour ça que nous invitons tout Haïtien pour commémorer le 212e anniversaire assassinat Papa Nation dans la tête ensemble à travers tout le pays et dans l'unité. Réseau national tête calée mandé population arrêté tête frette jour cap 17 octobre là. Responsable réseau qui reconnaît c'est un droit constitution bay tout le monde pour manifester, rappeler faut que li fait dans respect droit à bien tout le monde. Yon extrait dans micro Midray Milias ak l'aurore dans Jean-Jacques. Peuple haïtien, ça fait 212 l'année depuis division, trahison, ambition pour pouvoir. Te fait un petit groupe malfecté, comploté, assassiné Papa Nation. Parce que l'étape goumen pour si la yo qui te plus faible. L'ité dit, et pauvre nèg noué sa yo, et que papa yo en Afrique, est-ce que yo même yo pas de droit à posséder rien? Malfecté yo tout yel pour ça. Assassinat ça. Tout est tout rêve de Saline te poté pour te river faire pays ça yon espace côté tout citoyen haïtien ka senti yo à l'aise pour yo vivre tant que monde journée jodi a même petit groupe malfecté ça yo toujours existé yo existé sous toute forme yo prend toute couleur yo nan politique. Yo lan secteur privé. Yo accaparé jodi a revendication yo groupe social qui c'est Petro Challenger. Pourtant, nous tous d'accord. Lumière doit faite sous dossier Petro Caribé. Mais si groupe malfecté ça yo vle faire dans pays a c'est Petro politique. Petro électoral. Ak Petro déchoucage. Yon façon pour yon arriver dans Petro transition. Parce que d'après yon même, c'est seule façon pour yon arriver dans pouvoir. Et c'est seule façon tout, yon ka vin pi riche. Dans le cadre du programme courant 24 sur 24, la ville marchand de Saline pral bénéficier d'une centrale électrique hybride. Centrale ça qui déjà a commencé à construire pral servi environ 6 à 7 000 moun dans ville marchand. Un reportage avec Falan Delphin et puis Michel Joseph. Centrale ça, c'est pral résultat combinaison entre énergie thermique là qui produit 1 mégawatt courant et centrale solaire qui bail environ 200 kW pour alimenter ville marchand de Saline. Population dans ville ça te kon rencontré en pile difficulté à cause ces seules centrales la Tibonite là qui te kon alimenter zone ça.
D'après directeur Anarcea Evanson Calixte, c'est la première fois EDH a construit une centrale photovoltaïque. Li fait connait tout, yo prévoit sensibiliser moun yo sous nécessité pour yo payer pour énergie à consommer. Problème courant dans pays a pas de jambe problème et pas de jambe problème. Technique, c'est un problème politique. Le coup n'y a nous qui sa volonté politique permet de nous réaliser, dans un laps de temps, nous capables de dire, je suis capable de dire 15 jours, nous avons presque mettre 50 kW solaire, là, ça fait les réfléchir avec les bailleurs de fonds internationaux, avec partenaires, nous expliquons que nous avons une autre vision, nous avons une équipe qui voulait. Qui a une volonté politique pour que avancer. Donc, nous pensons que nous aller extrêmement vite et bien. De l'autre côté, Evanson Calix fait connaître environ 51 micro-réseaux annoncés pour lancer appel d'offres pour eux dans plusieurs zones dans le pays. Il a annoncé tout construction 10 réseaux électriques régionaux pour alimenter les communes qui sont reculées. Les IWA fin fait, nous réparer les angles de centrales solaires, nous avons préparé nous avons voie de réparation centrale Cotoa. Ça va continuer à fonctionner, mais nous allons augmenter la capacité solaire. Nous avons construit un réseau, nous disons réseau Chadouine a préparé là, réseau Damari fin réparé, réseau Anse Deno fin réparé, Kounia a fait réseau Dondon. Je pense que son bail qui est clair, qui monte tout le monde dans qui nous aller. Et nous avons un gros paquet de 51 micro-réseaux qui pourraient sortir là dans l'appel d'offres annoncé pour le faire, mettre dehors dans le début mois de novembre. Côté 51 réseaux, ça y est, l'État pourrait avancer pour mettre en place infrastructure de distribution, que ce soit moyenne tension et basse tension, et promoteurs qui sont investisseurs eux-mêmes, ils vont pour investir comme eux, pour être capables. Et dans la génération et puis dans connecter clients. Pour la population dans la zone marchande des salines, construction réseau électrique ça dans la commune pour l'améliorer, j'en ai été qu'on a vivre. Depuis qu'on a un courant dans une zone, ça veut dire que c'est une zone qui est appelée pour les développer. Sans compter que nous sommes capables de gagner plusieurs autres affaires, par exemple si vous avez un poisson, etc. Donc, courant vraiment son bail qui est très important. Ça, c'est un réel plaisir pour moi, pour le sénateur Castel-Elva, à président Jovenel Moïse. Sans débaisser ça, je ne vais pas bénéficier de rien. Ça fait un plaisir de passer dans le pays entier. Moi, c'est route courant qui développe mon pays. Je dis, nous avons un courant. 24-24 à l'heure des panneaux solaires, nous avons 24-24. Centrale électrique marchande de Saline, nous avons une centrale indépendante pour qu'on ait un stockage pour qu'on ait courant. Pour qu'on y ait la distribution, nous avons fait directement avec diesel pour la nuit et puis soleil pour la journée. Merci Faland ak Michaud. Une délégation qui gagne la donne ingénieur civil ak travail social dans entreprise publique ak promotion logement social organisé week-end passé a une visite évaluation sous plusieurs communes dans grand nord pays a qui était subi dommage pendant passage tremblement de terre samedi 6 octobre 2018 là. Nous avons suivi un reportage ak Seth Kwapaki et puis Fresnel Toussaint. Objectif visite technicien à travailleur social dans entreprise publique à promotion logement social dans la commune Port-de-Paix, c'est réaliser une première évaluation sur quantité de cailles qui crasées et subi dommage pendant le passage tremblement de terre dans Grand Nord samedi 6 octobre passé. Directeur départemental Nord-Ouest EPPLS là, Polycap Saint-Lucien fait connaître évaluation ça a permettre EPPLS gagner une idée sur quantité de cailles qui frappées dans la commune Port-de-Paix. Au niveau de l'EPPLS et préoccupation nous c'est garder besoin premier. Par exemple, un monde qui gagne une maison détruite, c'est garder comment est-ce que dans un premier temps, c'est évacuer monde ça mettre non abri qui est confortable côté la besoin tout besoin nécessaire de l'eau ou qu'on ait besoin premier et dans un second temps, c'est garder comment est-ce que nous ca construit ça côté monde ça parce que pas toutes les fois que caille monde a casé et puis on refait le même côté là dans tout côté nous passer nous allons faire évaluation yo maison yo effectivement monde yo pas supposé rester dans caille yo parce que depuis souvent c'est monde s'en bas c'est sol caille là qui en dédommage qui plus facturer laisse ça ou pas quitter monde ça dans caille là c'est des monde ça sont nous mettre un côté là nous abri provisoire est-ce que vous comprenez ou pas quitter le dormir dans caille là ou pas quitter le faire actuellement caille parce que n'importe secousse parce que Jean Caillou est surtout dans nord-ouest n'importe secousse qu'elle a tombé. C'est l'occasion pour le directeur mairie Port-de-Paix, Michel Calin, présenter bilan partiel sur quantité de monde qui victime, axila qui perdit la vie, à caille qui crasée pendant passage tremblement de terre.
séisme a passé à 8 heures dans samedi. Dans dimanche, il passé à 7 heures. Nous venons mettre une psychose de peur sur le monde, permettre que le monde soit évacué de toute maison gagnante. Autorité locale dans la commune Port-de-Paix lance appel bon côté l'État central pour porter une réponse pressée face à ensemble problème commune à faire face. Ministre éducation nationale et formation professionnelle la Pierre Josué Agenor Cadet t'a profité 59e conférence lundi la presse là pour présenter bilan dégâts qui enregistré dans ça qui gain à ouais à infrastructure scolaire après tremblement de terre 6 octobre passé. D'après précision ministre Pierre Josué Agenor Cadet, bail 79 l'école détruite ou bien endommagée dans 3 départements pays à 55 dans nord-ouest, 10 dans nord, 14 dans la Tibonite. Ministre a expliqué tout disposition nécessaire déjà prendre au niveau gouvernement pour permettre Timon de reprendre chemin l'école. Yon extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Moïse Ulbrich. Dans le domaine infrastructure scolaire, nous sommes capables de dire que 79 l'école qui détruit ou endommagé dans 3 départements pays à passer ça. Il y a 55 dans le nord-ouest, 26 c'est l'école l'État, 29 c'est l'école privée. Dans nos pays, il y a 10, 7 l'école l'État, 3 l'école privée. Dans la Tibonite, 14, 11 l'école privée, 3 l'école l'État. Eh bien, immédiatement, toute mesure te prend rapidement pour capable permettre Timounio de pas perdre 10 jours l'école. Et je dis à la, pendant ma parole là, toute l'école ça y est. Quitte ces sacs détruits ou endommagés, si nous avons déjà repris chemin l'école. Je dis à nous dire, dans le niveau administration, Moïse Seyan, il faut que nous évitions le phénomène tant de tribord à bord. Ça fait je dis, en attendant que nous reconstruisions le local qui méritait reconstruire, eh bien, nous venons avec des bâches pour nous faire des constructions légères pour nous, côté de nous, à continuer à suivre normalement. Et en même temps, tout, nous saisissons l'occasion. Il est vrai que depuis quelques années, nous mettons des plans types, des plans standards pour l'école pas construit n'importe gens encore dans le pays. C'est ça qui est la cause. Le 12 janvier 2010, un pile de dégâts fait dans l'infrastructure scolaire dans le pays d'Haïti. Je dis à un plan type et toute l'école qui a construit doit respecter toute étape. Donc c'est comme ça, dans la direction jeune scolaire, eh bien, quelle que soit l'école qui va construire, il faut qu'on passe là d'abord, notamment l'école l'État, pour voir qui gens pour construire et qui étape qui pour respecter. De l'autre côté, ministre Kaden a occasion pour tes explications sur manifestation diverses élèves lycées te fait vendredi passé. Ministre en fait qu'on est à travail pour élèves joindre bon apprentissage pendant les mandés pour personne pas utiliser timon l'école pour régler les affaires. Puis loin, ministre Agenor annoncé travail reconstruction plusieurs lycées Takou, Daniel Fignolé, lycée Marie-Jeanne, lycée de jeunes filles et puis construction 30 nouvelles écoles fondamentales, 3 dans chaque département. Toujours dans le micro, Rachel Saint-Fort avec Moïse Wilbridge. L'autre cause, c'est les affaires, mouvement qui a été fait vendredi dernier. Que nous-mêmes nous condamnons à toute force. Tout. Mouvement qui a été Petro élève là. Bagay Petro ça lui-même, qui sont bagay gouvernement prend en charge pour faire lumière sous lui avec la justice, livrer tout le jouet parce que tout côté qu'on est à ces Petro. Maintenant, Petro élève, qui est capable d'expliquer ça? Qui n'a pas gagné? Un élève qui dit qu'il a besoin de l'école construit avec envahi la cour ou entreprise privée ou hôtel. Nous ne pouvons pas comprendre ça. L'autre question toujours nous capable de poser peut-être non. Est-ce que pas gagné un prétexte à ça? Et nous allons porter lumière sur lui. On nous dit d'abord, avant que nous expliquions tout le bagaille, nous disons non à la manipulation des élèves. Non à la politisation des écoles. Oui à un bon apprentissage pour les élèves et notamment de tout politicien, quel que soit couleur, pour avoir une chance pour apprendre l'école. Maintenant, qui sa situation est? Élèves ont dit qu'ils prennent la rue pour demander reconstruire l'école. Il est vrai que depuis en 2010, ça fait 8 ans, en pile l'école détruite par tremblement de terre. Or, je dis à l'administration de la donne, il prend toute bagarre en charge. Par exemple, qui lycée est
lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Daniel Finolé et autres. Je dis à comment la situation est. Depuis la date 2 octobre, dans le journal Le Nouveliste, le marché d'appel d'offres a déjà lancé pour reconstruire le lycée Daniel Finolé ensemble avec le lycée Verrette et en même temps 30 nouvelles écoles fondamentales complètes à raison de 3 par département. En plus de cela, bien avant, le lycée des jeunes filles à Beldorf déjà lancé pour le reconstruire. Lycée Marie-Jeanne, dans la phase finale, c'est seulement à Beldorf qui a lancé dans la semaine ça. Mais tout l'autre établi est déjà fait. Jodi a nous dit, il n'y a pas question pour construire une école dans l'espace du matin au soir. Il faut que toutes les normes soient respectées. Jodi a envoyé l'école construite. Il faut qu'il y ait clair sous question papier terrain. Deuxièmement, il faut qu'il y ait études topographiques qui fait. Troisièmement, études géotechniques et quatrièmement, appel d'offres lancé. Jodi a gagné plus passé 100 films qui déjà acheté DAO pour reconstruire tout lycée Mso Dilan. Un seul lycée, lycée Jean-Jacques Dessalines. Et 212 ans après la mort de Dessalines, nous pensons que Dessalines, au lycée côté d'Ol, méritait un bon visage. Nous mettons Anessa dans le budget nous. Mais il faut que nous disions, il y a un plus gros problème nous avons actuellement avec le lycée Jean-Jacques Dessalines. Nous en confrontation, nous avons parlé, nous avons négocié avec DGI pour nous voir qui ça est capable de faire. Parce que l'espace côté lycée Jean-Jacques Dessalines, je ne vous dis pas, avec nouvelle norme, il n'y a pas même qu'à faire on dit l'école primaire. Espace à trois petits. Et un lycée qui peut être non Jean-Jacques Dessalines, il faut que lycée un lycée d'excellence ou bien un lycée de référence. Mondial Lavement Méan célébré à lundi 15 octobre 2018 là. Dans l'occasion en Fondation Panaméricaine Santé Publique, DINEPA, Ministère d'Éducation Nationale et Formation Professionnelle organisé en conférence débat dans l'idée pour sensibiliser la population sur l'importance pratique hygiène ça. Reportage Sainte-Croix Paki avec Hervé Pierre. Sensibiliser tout le monde pour ne pas négliger qu'il y ait un environnement propre et puis utiliser l'hygiène comme une porte d'entrée pour une éducation qualité. C'est le principal objectif d'activité ça, d'après Dr. Erol Joseph, qui représentait le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle dans l'activité ça. Il plaidait pour un renforcement du système sanitaire, comme ça, il demandait pour superviser et plus vigilant dans le travail d'inspection. Nous connaissons que la situation hygiène dans l'établissement scolaire n'est pas reluisante du tout, n'est pas intéressant. Donc, nous connaissons une enquête qui était menée depuis 2012. Nous avons une situation de l'eau dans l'école, en pile d'école, pas de l'eau, en pile d'école, pas de toilette, ou du moins, les toilettes, pas vraiment fonctionnelles. C'est-à-dire, ou du moins, quantité de toilettes qui gagnent, n'est pas suffisant par rapport à nombre d'élèves, nos professeurs. Et puis, qui l'autre balle encore, puis pour ces points d'avage des mers, pas toujours à proximité toilette. Okay? Et puis, en plus de ça, il y a l'autre aspect, c'est le fait que est-ce que tout le monde respecte les règles d'hygiène. Pour nous-mêmes, il y a deux aspects qui gagnent pour respecter les règles d'hygiène. Premièrement, il faut que la facilité sanitaire là, déjà, c'est ce qu'on appelle le hard, si vous voulez en anglais. Ok, c'est-à-dire faut gagner toilette, yo, faut gagner côté petit monde laver main li, faut gagner savon, faut gagner toute bagarre là. Et puis en même temps tout, faut gagner soflan qui non seulement vise entretien toute infrastructure sanitaire yo, parce que ta casé n'importe qui là et ceci très rapidement. Et puis deuxièmement tout, faut gagner éducation à hygiène qu'a fait. Sous Bopal, représentant d'INEPA, Raphaël Osti, fait connaître d'INEPA à travail pour mettre bloc sanitaire dans l'école publique. D'INEPA sont institutions commerciales liées. Par exemple, que là nous mettons de l'eau dans l'école là, c'est pour nous aller dans l'école pour nous. Est-ce que. Parce que nous sommes obligés de mettre de l'eau. Ça c'est le rôle, nous mettre de l'eau. Mais qu'il y a, est-ce que le directeur d'école lui-même prend en considération pour faire suivi ça, pour faire maintenance dans l'école là. C'est tout ça qui est important. Même les, par exemple, que l'école là, nous connaissons un bloc sanitaire, il n'y a pas qu'à fonctionner sans de l'eau. On ne peut pas faire l'école pour ne pas gagner de l'eau là-dedans. Au début, on ne coordonne pas pour l'école là, gagner de l'eau, c'est pas bon de l'eau. Mais comme ça, on a une contrepartie pour faire, bien que nous avons une grande partie sociale dans nous-mêmes. Mais c'est que l'école là, professeur à professeur, l'école là, depuis le moment de l'école, le lendemain, il n'y a pas de l'eau.
C'est job de bonne balle de l'eau. Système hygiène dans l'école, c'est une nécessité dans ce sens. Dirigeants qui ont participé à l'activité, souhaitaient tout concerné protocoler pour atteindre l'objectif. Premier ministre Jean-Henri Seyan en tête une délégation fait un virage pendant le week-end dans la commune Belader. Visite ça permet chef gouvernement garder état avancement une série de travail qui a exécuté dans la commune Silla. Travail ça a réalisé dans l'occasion 70e anniversaire Fondation Villa 31 octobre qui a venu là. Nous invitons à suivre un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et puis Peps Jean-Baptiste. Réhabilitation plusieurs bureaux l'État dans la ville Belader avec une série d'autres bâtiments qui étaient créés depuis sous présidence du Marseille estimé ses principales travaux saillants qu'a réalisé dans le cadre d'engagement chef l'État a été pris pour honorer mémoire ancien chef l'État Saha qui quittait un passé positif pour le pays. Premier ministre Jean-Henri Seyan fait connaître activité Sayo entrée dans le cadre de préparation pour célébrer 70 ans Fondation Ville Belader qui gagne une portée historique. Les déclarés chef l'État a bien pour venir remettre clé ville là après travail Sayo by chaque autorité locale concernée jour 31 octobre là. Pendant l'expliquer, c'est pas tout travail qui a bien temps achevé jour ça, mais il va garantir à continuer superviser ce travail jusqu'à ce que yo fini totalement. Président de la République là, dans souci de honorer mémoire, président du Master Estimé, t'es décidé non pas de reconstruire les bâtiments, mais de améliorer, de prendre même bâtiment ça qui est là, malgré coût ça t'es capable de gagner, et de prendre bâtiment ça réhabiliter pour t'es capable de gagner structure originelle que le président du Master Estimé t'es bail ville ça. Son belle ville, n'a prendre nous compte. Son ville qui était faite avec un pile vision tout. Ça nous est dans la ville, ça. Je dis à un pile côté qu'a construit ou pas ouais, une imagination ça. Donc, c'est pour ça, le président est venu là en mars. Il était pris engagement de remettre la population Belader là, en belle ville. Jean-Président estime de faire là, avec les monuments réhabilités, pour que nous capables toujours songer, monde qui fait bien à peuple haïtien. Nous connaissons le président Jovenel Moïse, son président qui voulait rester dans la vision du président du Master Estimé, nous rendons compte comment l'a cherché tout côté, toute œuvre président du Master Estimé de faire pour qu'il y ait en vie. Premier ministre Jean-Henri Seyan annoncé création d'un boulevard qui s'est passé dans le tronçon route cap sorti Belader pour arriver sous frontière. Boulevard ça pour faciliter circulation gros camions cap sorti Saint-Domingue cap passer Belader. Le gros boulevard cap fait, nous pour comprendre sens boulevard ça avec 5 et 34 mètres. 34 mètres de large et 5 km. C'est parce que justement, nous rendons compte, Belader, c'est un grand passage lié. On prend nous compte tout gros camions, gros trailers, conteneurs à passer là. Et bien, de décider, il faut que nous aérer la ville. Nous, pour nous permettre de vivre bien dans la ville là, c'est une raison qui fait nous gagner boulevard ça. Au niveau du gouvernement, le président Vini là, a quitté le dette, n'a continué à venir jusqu'à ce que dernier bout de travail achève en fait pour la population. Car ouais, par exemple, la donne, le masse président est parlé, il n'est pas parlé dans la bouche, il était fait promesse ça et promesse ça. Visite ça permet chef gouvernement chita parler à l'autorité locale pour connaître l'autre problème commun à faire face et puis envisager ensemble ça qui a fait pour améliorer les conditions de vie mounio dans Belader. L'autre dossier dans le cadre projet RECEPAG, Alliance Agricole Internationale AAI, commémoré Journée Internationale Femmes Rurales, vendredi 12 octobre. La journée s'est déroulée sous thème Femmes paysans, c'est Potomitan, l'agriculture. Cérémonie réalisée dans la localité Pandiassou, département Saint-Pays, avec participation représentant diverses institutions, partenaires programmes avec autorités locales. Yon contredit avec Jude Ketia et puis Lydie Dieudonné. Présentation diverses activités réalisées dans le cadre projet renforcement service public agricole 2 à RECEPAG avec nouveaux métiers arrivés à prendre coup pratique phytosanitation. C'est quelques moments forts qui étaient marqués commémoration journée internationale femmes rurales dans le département Saint-Lan. Moi pas connu comment pour me traiter bras patate qu'il y a à cause des RECEPAG, moi connu comment pour me traiter bras patate à cause des champs école, il y a me ca faire n'importe jardin pour compte moi et me ca préparer compost. Donc, pour information, nous pouvons aider l'autre monde dans la caille. Surtout, des fois, quand on est malade, nous ne pouvons pas savoir qui est malade. C'est
c'est ouais nous ouais malade de sous plante qu'on a depuis nous ouais qu'importe qualité tâche nous connaît ça c'est midi ou ça c'est soleil dans famille solana c'est nous connaît qui ça pour nous faire bio et nous connaît cette ici pour nous préparer nous connaît tout ça et puis tout nous connaît pile et non virus et cap bail maladie champion et champion tout cap bail maladie ça et puis nous connaît qui ça pour nous préparer pour nous aider maintenant zone là sorti ambassade première fois. Responsable Alliance Agricole Internationale dans ceci, agronome Robin Andressi, fait qu'on est journée ça a été fait tout pour saluer rôle femme ça yo dans vie communauté a et rappeler yo c'est un maillon fort dans chaîne agricole là. Son initiative de l'Alliance Agricole pour valoriser implication mesdames yo dans secteur agricole là lui-même dans toute activité qu'a fait dans secteur agricole là, mais particulièrement dans ça que Alliance Agricole lui-même l'a fait dans cadre mandat que ministère de l'agriculture Bali pour lui exécuter projet ça qui c'est incitation agricole et mise en place de champs école paysan dans toute phase production agricole là nous joignons depuis dans planification yon campagne agricole nous joignons dans des travaux de préparation de sol pour faire agriculture nous joignons dans préparation de semences nous joignons dans fait semis dans fait plantation yon dans entretien activité travaux de saclage qui gagne dans cadre entretien jardin yo récolte là c'est sur yo même commercialisation c'est yo même qui fait ouais conservation produit qui récolte c'est yo même qui fait donc dans toute chaîne de production ou joindre mesdames en plus opportunité pour célébrer journée ça qui fait pour yo participants ont eu occasion faire échange avec responsable Alliance Agricole Internationale sous qui genre protection environnement car renforcer récolte y a fait chaque année c'est chaque 15 octobre Nations Unies célébrer journée internationale femmes rurales. Fondation pour développement touriste alternatif en Haïti, dans tête collée avec le ministère touriste, annoncé lundi 15 octobre, l'organisation 22e fois binationale écotouristique avec production qui a bien pour dérouler sorti 25 octobre pour arriver 4 novembre, nan, Fatinoan en République dominicaine. Coordonnateur général là, Jean-Camille Bisret, avec ministre touriste là, Marie-Christine Stephenson, fait connaître l'activité sapral permettre en pile monde faire connaissance avec produits artisanaux nous, découvrir site touristique. Nous invitons à suivre. Aujourd'hui, il est le temps pour nous élargir cadre. Et bien, agro-tourisme, agro-écotourisme, un espace qui est extrêmement important. Et non, touristes, par exemple, côté que plusieurs pays qui mettent ensemble, tant que Cuba, Haïti, République Dominicaine, ça nous va le vendre diversité que nous gagnons. La diversité, pas nous, elle est extrêmement importante. Nous sommes le champion de la Caraïbe par rapport à l'histoire. Non. Par contre, pays là, que le Cuba, que le République Dominicaine, qui n'a aucune chaîne d'histoire, ça que nous gagnons. Nous avons une histoire qui est trop pour nous parce que nous allons valoriser le même. Or, forme de touriste, ça, c'est l'important. L'important pour nous montrer exactement ce que nous gagnons. Des fois, regardez par exemple la vidéo que le ministère a présenté là. Là, nous avons un ensemble de richesses naturelles, culturelles, historiques que nous gagnons. Nous avons un ensemble de patrimoine que nous gagnons. Je dis, nous n'avons pas qu'à tomber dans une langue. C'est vrai, les relations haïtiennes-dominicaines sont relations tout tendues. Les tendues, c'est parce que nous avons encore pour l'autre forme de coopération que nous sommes capables de développer grâce à touristes. Parce que automatiquement, les touristes, il faut que ces gens m'entendent. Depuis que touristes déplacent, ils viennent dans le pays, ils vont faire plus que 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Après 5 jours, ils vont dans l'autre pays. Son passe-coute. Si Cuba, Haïti, République Dominicaine, mettent tête ensemble dans la Caraïbe, pour développer un tourisme multidestination, je suis certain que Haïti a gagné. Grande foire écotouristique et de production qui va gagner du 25 octobre au 4 novembre 2018 à Fantino en République Dominicaine. Donc, je suis très très honoré pour nous jouer une invitation ça et nous allons mener Haïti dans une grande rencontre ça pour nous capables vraiment montrer tout rayonnement nous avons gagné grâce à écotourisme, grâce à produits locaux, grâce à belles routes que nous gagnons, que ce soit la route de l'eau, la route du café, la route du cacao. Et pour nous connecter tout bagage ça yo à grand site touristique New York, notamment au nord avec la citadelle et route du sud yo qui lie tout avec route grotte à canyon que nous gagnons dans le sud et qui paraît qu'on y a pour recevoir un touriste qui est intéressé par la nature. Et on a fait le maximum pour nous à la hauteur et pour nous capable présenter le plus beau d'Haïti à cette grande foire écotouristique qui aura lieu en République Dominicaine. Donc j'invite tous les Haïtiens à essayer d'y participer.
mettre en place tout un système pour nous capables de supporter tout opérateur haïtien qui t'a aimé participer. N'a essayé faire le maximum pour nous capables de bay support pour artisans qui voulaient participer dans fort là. Donc bien sûr et nous ouvert et nous gain 60 mètres carrés pour nous remplir pour nous capables montrer le plus beau et attirer les touristes vers notre beau pays. Les joyeux lutins célébrent 50e anniversaire samedi 13 octobre là. Pour marquer date ça, responsable kindergarten là te fait chanter une messe action de grâce qui te déroulé en présence élèves, anciens élèves, professeurs, parents et amis, une façon pour dire bon Dieu merci pour Jean-Li accompagner yo. Directrice les joyeux lutins Jocelyne Guilbeault mettait accent sur éducation timoun 0 à 6 l'année pendant profiter encourager parents yo meilleur cadeau yo ka offrir petit yo c'est bon enfance. Sous bon pal Mercedes Amizia, un ancien élève l'école là, exprimé satisfaction li parce que li te gen chance recevoir formation dans institution ça qui d'après li rete yon référence. Yon extrait dans micro Bidre Emilias ak Fleury Jean. Nous avons une affinité que nous avons, que nous connaissons que la période c'est important pour nous. Donc, moi, je suis toute tête moi, et toute vie. Pour nous. Parce que nous avons commencé avec Timon un an et demi à trois ans. Et après, je suis parents je demander pour moi prendre l'autre Timon, vu le résultat que j'ai obtenu avec moi. Et je suis passionné de l'éducation. Au niveau kindergarten, malgré tout le monde qui demandait de continuer, je refusais. Parce que je pensais que la spécialité, c'est Timon. Et c'est eux. Et si la formation s'est ratée, on a un problème. Mais leur prend formation à cœur et qu'on a tout ça que besoin parce que c'est période sensible dans la vie, l'expérimentation, période de découverte. Nous sommes aussi un élève d'école là, avant tout, année 91. Donc 50 ans, pour montrer nous l'amour que directrice nous a pour l'éducation. Pour travailler avec tout le monde et comment que nous faisons tout dans une société meilleure parce que l'école a formé aujourd'hui des petits lutins qui viennent des adultes professionnels. Donc 50 ans pour moi-même, c'est une consécration à l'éducation tout le monde en Haïti. N'a pris en pause, restez branché, n'a tourné. Gros la pluie qui tombait week-end passé à la cause gros inondation particulièrement sous sud pays la France, ça qui la cause environ 11 monde perdu la vie et puis des lots disparaissent. Betty Abdinoplis. L'eau qui tombait sous département français à haut dégâts environ 4 mois la pluie. C'est la cause de la mort pour pipiti 11 monde et puis deux lots disparaissent depuis dimanche 14 octobre. Habitants plusieurs communes étaient piégées à cause de l'eau qui montait tant qu'on en ville Gayenk, tout près Carcassonne, dans le village Saad, l'eau atteint 1,50 m dans Kekay. 750 pompiers et 200 militaires étaient mobilisés dans le village sinistré. Lundi 15 octobre, il y a une centaine de monde qui étaient prend refuge sous tête ou pas moyen hélicoptère. Dans la région Carcassonne, caillou inondé, plusieurs trottoirs détruits ou soit impraticables à cause de pieds bois qui tombaient sur route. Yo. Gros de l'eau qui gagne la boue envahit trop trois et puis de l'eau débordée. L'aria ak étage en bas immeuble toujours inondé dans plusieurs communes dans le département. Dans le sport, Ligue des Nations de la CONCACAF Sainte-Lucie et Haïti, c'est pral pour Jodia dans le stade Pierre Aliker de la Martinique. À l'étranger, football, classique football européen, a opposé Jodia, la France et l'Allemagne dans le cadre Ligue des Nations de l'UEFA, alors que dans le pays Arabie Saoudite, Brésil pral affronter Argentine en amical. Voilà, amis téléspectateurs, journal live dans Boutli. Merci pour attention et fidélité. Restez sous TNH pour reste programmation. Bon après-midi tout le monde.